Donovan, Chopel vient chercher la victoire à Varambé. On sait que c'est jamais simple ici, j'imagine un grand sentiment de satisfaction après cette victoire. C'est sûr, la semaine passée on a fait une égalité. Cette semaine on voulait venir faire une victoire pour bien commencer le championnat. Et on gagne aujourd'hui avec la manière. 3-1, c'est magnifique franchement. Et puis quelle belle entrée pour toi, franchement quasiment ton premier ballon, magnifique but. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu reçois la balle? Bah franchement on a l'habitude de le faire avec Thibaut à l'entraînement, avec ses superbes transversales. Je l'ai vu armer la transversale, puis je me suis dit bon, je vais essayer d'aller entre les défenseurs, comme il la met tout le temps à l'entraînement, que ce soit en match ou en entraînement. Et puis j'ai réussi à faire un bon contrôle, le gardien il glisse, et j'ai juste à la glisser entre les goals quoi, donc c'était top. Et puis tu t'es pas arrêté là, hein, parce que t'as la passe D juste derrière aussi pour sceller le match. C'est sûr, ouais, après je prends, je sais plus qui c'était, de vitesse. J'arrive à aller juste un peu devant, assez pour pouvoir faire la passe dans le centre. Junior il apprend, goal, c'est magnifique quoi, top. Ouais, puis franchement c'est un match assez équilibré, hein. On a vu le premier mi-temps, vous avez quand même souffert, vous arrivez à égaliser. Qu'est-ce qui fait que ça penche de votre côté et que ça se termine pas peut-être sur un nul ce soir? Bah franchement, honnêtement, je pense que c'est le but à la fin de la première mi-temps, ça a tout changé. Le fait qu'on marque juste avant le sifflet de la mi-temps. Ensuite, dans les vestiaires, bien sûr, le coach il nous a remonté le moral. Enfin, il a dit, ouais, c'est bon, on a marqué avant la fin de la première mi-temps. Maintenant, on y va, on fonce et puis on gagne ce match. Quoi. On n'est pas venu ici pour faire une égalité ou perdre. On est venu pour gagner et puis c'est ce qu'on a fait. Deuxième mi-temps, bah, on met deux buts. On gagne la deuxième mi-temps 2-0, 3-1 au final, donc c'est top. Vous avez pris la coupe hein, au printemps dernier. Mm-hmm. Cette saison, c'est la première victoire à l'extérieur. Est-ce qu'on peut voir peut-être un champion qui se bat pour la première place aussi en championnat? Non, c'est sûr que le fait d'avoir gagné la Coupe Genevoise, d'avoir joué la Coupe Suisse, ça a donné fin à tout le monde. On a tous envie de refaire ça, pouvoir refaire la même chose l'année prochaine. Et c'est clair qu'on a tous faim de gagner, que ce soit le championnat ou la coupe Genevoise. C'est vrai que c'est un peu tôt pour le dire, mais on va essayer de faire tout pour pouvoir le faire, quoi.